Salut les gens, c'est les Olex, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et cette vidéo, ce sera un test complet du mixeur E9, que la marque a d'ailleurs eu la gentillesse de m'envoyer. Voilà, donc elle me l'a juste envoyé pour des tests, je ne suis pas payé derrière, donc je peux dire ce que je veux évidemment sur le produit. Je vous laisse évidemment en description le lien Amazon du produit si vous avez envie d'aller le checker, mais je vous invite plutôt à aller checker ce lien à la fin de la vidéo plutôt que maintenant. Je vous propose dès maintenant de regarder un petit peu ce qu'il y a dans cette boîte du mixeur, voilà, donc écoutez, j'espère que cette vidéo va vous plaire, je vous souhaite un excellent visionnage, écoutez les gens, c'est parti. Dans cette boîte, on retrouve donc uniquement le sac de transport qui va contenir tout le reste à l'intérieur, donc on peut se débarrasser de la boîte, on n'en a plus besoin. On ouvre cette deuxième boîte avec tendresse pour découvrir donc à l'intérieur un petit peu tout ce qu'il y a. On va notamment retrouver toute la connectique, donc voilà, il y aura un câble jack, un câble évidemment pour charger le casque, voilà, donc c'est du micro USB et ça se charge sur du USB 3.1, voilà, donc c'est assez classique, on retrouve ça un petit peu sur tous les casques. On retrouve aussi évidemment une petite notice, un truc bizarre en forme de casque, je sais pas à quoi ça va me servir, et le plus important évidemment, on retrouve le casque, voilà, qui est bien rangé là-dedans et on va tout de suite le retirer. L'une des principales caractéristiques et donc par laquelle je vais commencer pour présenter ce casque, c'est l'Active Noise Cancellation, donc on va dire ANC pour faire plus court, parce que sinon si je dois dire ça à chaque fois, ça va être un petit peu long, et donc pour moi c'est vraiment une feature très très intéressante. Pour l'activer, c'est relativement simple, vous avez juste à aller sur le dos du casque et puis vous avez un petit bouton avec marqué ANC, vous le mettez en haut et puis voilà, c'est activé. C'est très pratique cette feature, surtout qu'on peut l'utiliser sans avoir à allumer le casque pour écouter de la musique ou quoi, donc ça économisera beaucoup de batterie et ça va permettre tout de même d'avoir cette Active Noise Cancellation, ANC, voilà, on se souvient, je vais plutôt dire ça. Enfin bref, pour expliquer cette ANC, c'est quoi? Parce que c'est assez barbare un petit peu dit comme ça. En gros, ça va capter les sons extérieurs et ça va justement servir à les couper en envoyant des sons inverses. Donc ça va justement permettre de considérablement réduire le bruit qui rentre dans vos oreilles et vraiment... Vraiment, c'est une feature très très agréable, notamment par exemple, vous pourrez être en voiture, en avion ou dans une zone très bruyante, ça va couper vraiment beaucoup 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 le son. Et d'ailleurs, sur ce casque-là, ça marche super bien pour l'avoir testé pendant pas mal de temps du coup. Ça marche vraiment bien comme feature, ça permet d'avoir justement beaucoup de sons qui seront coupés. Et clairement, si par exemple vous avez 8 heures d'avion, ça fait beaucoup de bien d'avoir ça, clairement, parce que quand on sait à quel point les avions sont bruyants quand on est à l'intérieur, ça fait pas mal de bien d'avoir cette feature, parce que sinon c'est assez chiant quand même. Donc voilà, l'ANC, c'est vraiment une feature hyper intéressante, qui marche très très bien sur ce casque, et du coup, vraiment, c'est super. Bon, je vais la désactiver là, parce que ça sert à rien, il est sur les oreilles de personne, et je le repose ici. Autre chose à noter que j'ai pu remarquer en utilisant le casque, et ça s'applique à beaucoup de casques, d'ailleurs en général, c'est que le son est meilleur, justement, quand on va activer l'ANC. Voilà, je sais pas exactement pourquoi ça fait ça, mais en tout cas, voilà, si quelqu'un a d'ailleurs la réponse, n'hésitez pas à me la mettre en commentaire, mais voilà, l'ANC justement améliore le son aussi quand elle est activée, et justement on va avoir des basses qui sont un petit peu meilleures je trouve, et un son globalement qui va être plus clair et plus agréable justement. Donc voilà, si vous avez envie d'avoir un meilleur son et que vous avez ce casque, justement activez l'ANC, et même si vous avez un casque qui a la noise cancellation, bah écoutez, n'hésitez pas à l'activer, normalement ça devrait rendre votre son bien meilleur. Une des autres caractéristiques hyper importantes de ce casque, c'est sa batterie, enfin plus globalement son autonomie, qui est annoncée d'environ 30 heures. Et franchement, c'est pas un chiffre qui est envoyé à la louche, c'est vraiment assez véridique pour l'avoir testé. La batterie est vraiment extrêmement difficile à décharger et se recharge d'ailleurs très rapidement, donc ça permet d'avoir un casque qui vraiment est en continu actif. Voilà. Donc là-dessus, il n'y a pas vraiment de quoi s'inquiéter. Vous le rechargez une fois tous les 15 jours et puis ça suffit largement, donc à ce niveau-là, c'est vraiment top. Ce casque, comme vous l'avez vu dans le titre, il est évidemment sans fil, voilà. Donc d'ailleurs, c'est pour ça que là, il n'est pas branché à un fil. Évidemment, la marque vous donne l'option, justement, avec un port jack, de le brancher avec un fil. Mais bon, c'est assez ridicule en 2019 de profiter d'un casque sans fil avec un fil. Donc bon, franchement, clairement, autant l'utiliser sans fil. D'ailleurs, le sans fil marche très très bien. Pour l'instant, de ce que j'ai pu tester, le sans fil est même d'ailleurs très très rapide. Donc justement, quand on joue une vidéo, ça va se mettre directement et on peut même jouer à des jeux vidéo, ce que j'avais pas pu faire avec d'autres casques Bluetooth. Donc à ce niveau-là, c'est vraiment cool. Je sais pas comment c'est rendu possible, mais en tout cas le Bluetooth marche vachement bien. Une chose qui est annoncée par la marque, c'est que le Bluetooth marchera jusqu'à 15 mètres environ en intérieur et 12 mètres si vous êtes en extérieur. Voilà, c'est des stats qui sont comme ça, qui sont là, qui sont présentes, mais on n'a pas vraiment besoin de ça. Normalement, vous le gardez à vos oreilles, le casque, et votre téléphone, vous le gardez à moins de 5 mètres, sinon c'est assez bizarre. Donc vraiment, je vous déconseille quand même de vous barrer à plus de 10 mètres. Dans tous les cas, peu importe le casque, ça marchera moyennement. Mais si vous avez envie de le faire, vous pouvez le faire. Mais en tout cas, la qualité de son va baisser, il y aura de plus en plus de coupures si vous vous éloignez vraiment loin, donc je vous déconseille vraiment de faire ça avec n'importe quel casque. Voilà. Qui dit casque sans fil dit généralement aussi les fameuses invites vocales dès que vous démarrez ou éteignez le casque, voilà, pour informer tout ça. C'est pas ouf, j'ai... Pourquoi avoir mis ça? Il n'y en a pas spécialement besoin et on a juste une voix pas forcément claire qui va se ramener là, donc vraiment, c'est assez gadget et on n'en a pas plus besoin que ça, surtout que la voix, comme je vous l'ai dit, est pas spécialement agréable.
Un autre point aussi concernant l'allumage et l'extinction du casque, c'est que justement il y a un petit délai quand même quand on veut allumer le casque. Voilà, il faut garder le bouton appuyé 3 secondes, je sais pas vraiment pourquoi ils ont fait ça, c'est pas spécialement nécessaire. Voilà, je préférais quand même vous prévenir, c'est vraiment rien d'important, c'est rien qui peut décourager quelqu'un d'acheter un casque, mais bon, c'est toujours là, je le place en point négatif personnellement parce que la vide vocale est pas spécialement agréable et puis c'est un petit peu long d'attendre 3 secondes. Mais après, les 3 secondes se font vite oublier une fois qu'on a le casque allumé. Avec ce casque, on va aussi retrouver une petite boîte voilà, de rangement. Petite, elle est quand même assez grande, voilà. D'ailleurs, c'est un petit peu un reproche que je pourrais lui faire, c'est qu'elle est relativement grande, donc pour le transport, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. On a vu déjà plus compact. Après, c'est pas non plus mauvais, ça reste quand même très compact, mais je me suis dit que, vu que le casque, on avait la possibilité, vous voyez, de le plier comme ça, on aurait peut-être pu faire quelque chose de légèrement plus compact, ça aurait pu être éventuellement intéressant. Voilà, après, c'est vraiment tout léger comme point. La boîte est quand même vraiment très très pratique à prendre avec soi en voyage ou quoi, donc là-dessus, c'est quand même déjà très bien. Et puis on va pas non plus reprocher à ce prix-là à la marque de justement intégrer une boîte. C'est déjà bien qu'il y en ait une, donc on va pas non plus se plaindre que ça. En revanche, point positif de la boîte, c'est que je la trouve assez esthétique et assez pratique à utiliser. Et surtout, ça, je trouve ça bien par contre comparé à d'autres marques, c'est qu'on peut ranger le casque et ranger d'autres choses justement. Enfin, on se sent pas à l'étroit, on n'est pas à chaque fois à fermer la boîte avec une bosse au milieu de la boîte quand on la referme. Donc là-dessus, c'est vraiment cool, ça permet d'avoir quand même une boîte assez spacieuse. Donc là-dessus, par contre, c'est cool d'avoir une boîte assez grande. Donc c'est pas non plus que un point négatif. Bon, je vais ranger ça là, on en a plus spécialement besoin pour la suite. Et on en vient au point le plus important quand on parle de la qualité d'un casque audio, c'est évidemment la qualité de son son, qui est probablement la chose pour laquelle aussi on achète un casque audio principalement. Après, on peut l'acheter aussi pour d'autres choses, mais quand même, pour moi, c'est l'un des points les plus importants. Et franchement, pour ce prix-là, le son est vraiment excellent. Voilà, on a un son qui est quand même bien clair, on a des très très bonnes basses. Au niveau de ça, j'étais assez surpris, même quand j'écoutais, les basses sont très fortes. Après, c'est vrai qu'en termes de puissance, j'ai connu des casques qui, quand ils étaient à fond, étaient plus forts que ça, mais tout de même, quand il est à fond, je vous assure que ça vous déchique bien les oreilles aussi. Donc ne pas le mettre à fond, vous pouvez quand même très très facilement l'utiliser en termes de puissance, c'est largement suffisant pour un usage quotidien. Après ça, comme je vous l'ai dit, pour faire un bilan global sur ce son, c'est que vous avez vraiment une qualité sonore qui est excellente. Si vous voulez écouter de la musique, si vous voulez regarder des vidéos, si vous voulez jouer à des jeux, pour l'instant j'ai vraiment pas eu de mauvaise expérience avec, donc franchement au niveau du son c'est top top. Donc franchement pour ce prix là, je suis vraiment étonnamment surpris de la qualité. En termes de design, je suis assez fasciné par le petit rayonnement sur le côté, voilà, que je trouve vraiment beau. D'ailleurs, je vais vous le montrer tout de suite, voilà. Voilà, comme vous le voyez, il y a ce léger rayonnement sur le côté du casque et franchement, je trouve ça vraiment très joli. Peut-être qu'à la caméra, ça ressort pas aussi bien que ça ressort en vrai, mais en vrai, c'est vraiment génial et franchement, j'ai passé pas mal de temps à le regarder tellement c'était stylé. En revanche, un truc dont je suis un petit peu moins fan, mais qui donne un côté beaucoup plus costaud au casque, c'est ce petit truc en plastique ici, cette petite partie qui sent vraiment un petit peu le côté plastique quand on touche. Voilà, là-dessus, je suis moins fan, mais évidemment, c'est un casque à 70€, on peut pas non plus faire de miracle en termes de matériaux, donc forcément, je préfère largement qu'une compagnie décide de mettre l'argent dans la qualité du son, plutôt que de le mettre dans simplement du plastique ou quoi pour faire l'extérieur du casque. En revanche, du coup, comme je vous l'ai dit, le casque a vraiment ce côté solide quand on le tient en main, donc là-dessus, c'est vraiment plutôt cool. Autre point qui est vraiment sympathique sur ce casque, c'est les coussins. Et du coup, je suis obligé de reprendre le casque en main, mais bon, voilà. Bref, c'est parti, on repart sur un plan en avant. Voilà, comme vous pouvez le voir, le casque a vraiment des coussins qui sont assez imposants, mais surtout qui sont très confortables quand on les tient en main, donc là-dessus, c'est vraiment plaisant, parce que j'ai connu des casques qui, au bout de 2 heures, commençaient à vous exploser les oreilles, vraiment dans les deux sens, et là, franchement, ça fait plaisir d'avoir un casque qui se porte très très bien, et qui justement vous abîme pas les oreilles. Pour le coup, là, j'ai facilement pu tenir 4 à 5 heures devant The Forest avec des amis ou quoi, et franchement, j'avais pas du tout mal aux oreilles quand je l'ai enlevé. J'avais un petit peu chaud, par contre, ça c'est vrai, mais je sais pas encore si c'est dû à The Forest et ses screamers ou au casque. Globalement, du coup, pour parler du design de ce casque audio, je trouve que c'est vraiment un design qui a été très très bien réussi, et le casque se porte très très facilement. D'ailleurs, ils ont même pensé aux détails, puisqu'on retrouve quand même une finition un petit peu métal et tout ça, quand on ouvre le casque, justement, pour le rendre un petit peu plus grand, donc même là-dessus, ça a pas été oublié, et justement, ça montre quand même que le casque est bien fini. Franchement, comme je vous l'ai dit, je suis assez déçu de ce côté un petit peu plastique, mais bon, c'est vraiment rien d'important, et je trouve aussi que le bouton power est assez mal placé, puisqu'il se trouve à l'avant, alors que j'aurais peut-être préféré à l'arrière. Mais bon, c'est plus une question d'habitude qu'autre chose, donc je vais pas spécialement me plaindre. Autre point aussi, quand on a un casque, et j'ai pu le tester, quand j'ai joué à The Forest justement, c'est qu'on n'a pas peur de le perdre des oreilles quand on bouge un petit peu la tête. Justement, quand je me suis pris des screamers assez sévères, il est pas tombé, ça c'est plutôt important quand même, même si bon, on s'en doute assez, vu que c'est un casque audio, c'est pas non plus des AirPods. Autre point qui fonctionne vachement bien et que je me suis retrouvé à pas mal utiliser, c'est toutes les fonctions vis-à-vis des boutons. Donc notamment par exemple le bouton power qui va vous permettre de play et de reset justement les musiques, etc. Je trouve ça vachement pratique et bien intégré. Justement sur certains casques, ça avait un petit peu de latence, etc. Là je trouve que c'est assez direct et justement assez pratique. Cela dit, j'aurais peut-être quand même aimé voir une application dédiée Mixdoor sur notre téléphone. Bon, c'est pas grand chose. En plus de ça, la batterie est très facile à voir puisqu'on a juste à aller dans la barre des notifications, etc. Mais c'est vrai qu'une petite application aurait pas fait de mal. Et enfin, il est temps pour moi de conclure cette vidéo en dressant un bilan global
global sur tout ce que j'ai pu penser du casque, et franchement je trouve qu'au prix auquel il est proposé, c'est vraiment le meilleur casque du marché à ce niveau là, et je pense que vous pouvez même monter un petit peu en termes de prix, vous trouverez pas mieux. C'est vraiment un excellent compromis entre design, confort et qualité de son, donc franchement à ce niveau là j'ai vraiment pas grand chose à lui reprocher. Comme vous avez pu le voir au cours de la vidéo, les points que je lui reprochais étaient notamment des points assez minimes, donc franchement je pense que sur les grandes lignes c'est un casque qui est vraiment excellent, et vraiment c'est un très très bon compromis. Et ça peut être très très intéressant si vous cherchez un casque un petit peu dans ces alentours de prix là de partir sur ça. En tout cas moi vraiment, si je devais conseiller quelqu'un, si je devais conseiller un ami, ce serait ça que je lui conseillerais. Vous avez évidemment en description le lien Amazon.fr si vous avez envie d'aller acheter ce casque. Voilà, pour moi comme je l'ai dit, c'est vraiment une excellente solution. En plus de ça, si vous avez l'habitude d'être dans des environnements assez bruyants, c'est quand même vraiment une excellente solution. Ça permet de cancel beaucoup de sons et donc c'est vraiment cool à ce niveau-là. Donc comme je vous l'ai dit encore une fois, ce casque, je le recommande à 100%. Et voilà les gens, c'est la fin de ce test complet du Mixer Honor 9. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude tout autant que moi, elle m'a plu à la réaliser. Si c'est le cas, je vous invite à mettre les petits pouces en l'air, et puis si ce n'est pas le cas, évidemment, à les mettre vers le bas, cela va de soi. J'espère vraiment avoir pu bien présenter ce casque à travers cette vidéo, et n'hésitez pas à me le dire en commentaire si j'ai bien réussi. N'hésitez pas non plus à me donner d'éventuelles pistes d'amélioration, ça m'intéresserait vraiment beaucoup de savoir comment je pourrais améliorer la qualité de mes vidéos. Si vous avez envie de m'aider un petit peu plus profondément, vous pouvez également partager cette vidéo à vos amis, à votre entourage ou à des gens qui seraient susceptibles d'être intéressés par justement ce casque là, donc ça m'aiderait beaucoup si vous partagez cette vidéo. Voilà, je vous en remercie d'avance si vous le faites, mais évidemment rien n'est obligatoire. Libre à vous aussi de vous abonner à ma chaîne YouTube ou encore à mon Instagram et mon Twitter, tout est en description si vous êtes intéressé. Et puis moi les gens, je vous retrouve mercredi prochain pour un tout nouvel épisode de Fast, ma série hebdomadaire qui retrace un petit peu toutes les actualités et rumeurs qu'il y a pu y avoir dans la tech durant la semaine. Et puis moi, d'ici là, les gens, je vous souhaite de bien prendre soin de vous. C'était le Zolok, à votre service. Ciao.